Chers amis auditeurs et auditrices de la Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique, nous vous disons encore merci, vous qui nous acceptons d'habitude dans vos demeures, à partir de New York City où nous passons sur la chaîne américaine de Bronx Net TV. Nous vous disons merci et aujourd'hui nous voici revenir après avoir été au milieu de la communauté ivoirienne il y a de cela plus de 4-5 mois où nous avions reçu Dr Bernard Sako, l'ambassadeur professeur Koudou Kessié ainsi que Bernard Houdin et le journaliste François Mattei. Nous recevons pour vous et pour la toute première fois le président Laurent Akun, président délégué du FPI en Scandinavie où il est venu en visite. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Quelles sont vos impressions d'abord pour la Scandinavie? C'est la toute première fois que vous arrivez en Scandinavie ou vous y avez déjà été? Oh, il y a de cela peut-être plus de 30 ans, j'ai mis les pieds en Scandinavie, mais précisément du côté de Helsingør, dans le cadre d'une action syndicaliste, puisque j'étais responsable syndicaliste à l'époque et les enseignants se réunissaient à Helsingør. Parler de l'école et de la fonction enseignante. Et en Scandinavie, c'est aujourd'hui, c'est en visite privée, en visite familiale ou pour des réunions politiques? Ben, c'est une visite politique. Une visite politique à nos camarades de la représentation qui regroupe la Finlande, la Norvège et principalement, bien sûr, la Suède. Et c'est le camarade Jean-Claude Oku et les membres de son équipe qui m'ont accueilli depuis 72 heures. Et nous avons passé un moment à faire un peu le point de la situation, mais des efforts inestimables qu'ils font pour faire avancer la cause de la démocratie en Côte d'Ivoire en particulier, mais toute celle de l'Afrique et de sa souveraineté. Vous avez réussi à rencontrer quelques hommes politiques au niveau de la Suède, et quelles sont leurs impressions par rapport à la situation qui traverse la Côte d'Ivoire et particulièrement son président Laurent Gbagbo qui est actuellement détenu, comme tout le monde le sait, au niveau de la CPI? Ben oui, nous avons rencontré quelques officiels suédois. Nous leur avons fait partager l'injustice dont Laurent Gbagbo est victime, et ce, depuis le 11 avril 2011. Évidemment, comme ces officiels, qu'ils soient principalement ceux de la social-démocratie, nous ont écoutés. D'abord, dans un premier temps, c'est ce qui est d'abord le plus important. Mais nous savons dans quel jeu de relations se trouvent ces camarades socialistes. Ce que nous avons principalement confié, c'est notre retour à l'international socialiste, cet espace de tous les socialistes du monde, dont nous avons été éjectés depuis mars 2011. Vous me permettrez, monsieur Laurent Akun, vous êtes appelé président délégué du FPI. Mm-hmm. Depuis quand êtes-vous président délégué et pourquoi délégué? Depuis le congrès extraordinaire du 30 avril 2015, le président de notre parti est le président Laurent Gbagbo, qui est actuellement à La Haye. Et donc, dans les mécanismes, puisque au quotidien, il n'est pas là, il nous inspire, nous le rencontrons. La preuve, je l'ai rencontré et je vais le rencontrer bientôt. Il se porte bien. Et il se porte bien. Il a de la morale. Oui, le moral pour lui, c'est assez difficile de l'atteindre. Aujourd'hui, plus qu'hier, au contraire, il se sent tout à fait en forme et attend de pied ferme. Enfin, je suis un peu tenté, comme vous venez de la CPI, de parler d'un témoin à charge qui est passé par là, Sam l'Africain. Vous, en tant que président délégué du FPI, oui, quelle est votre réaction en voyant un témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo devant la CPI qui se transforme en témoin à décharge? Ok, mais je vais d'abord finir mon propos. Donc, président délégué, parce que le président Laurent Gbagbo, lui, au quotidien, n'agit pas, puisqu'il est privé de liberté.
et de tout ce qui accompagne cette privation de liberté. Donc, c'est le premier vice-président Aboudraman Sangaré, qui lui est à Abidjan, réside, qui est, assure l'intérim. À une époque, au lendemain de notre congrès d'avril 2015, le président Sangaré, aussi avec quelques de sérieuses difficultés par rapport à la loi de notre pays, parce que ceux qui sont au pouvoir l'empêchaient par tout moyen. Donc, il a fallu alors trouver un qui a la délégation, et c'est pour ça qu'on appelle président délégué. Okay. Les choses étant rentrées relativement dans les normes aujourd'hui, je pense que dans les prochains jours, nous aurons le président Gbagbo, président du parti. Il y aura certainement des délégations de pouvoir, mais cette fois-ci, on va l'appeler celui qui a assuré l'intérim au premier niveau et celui qui assure l'intérim au deuxième niveau, pour éviter cette floraison de président avec des appellations. Mais c'était pour répondre à un moment donné de notre histoire à la situation de la gouvernance avec la situation faite au président Gbagbo et au président Aboudraman Sangaré. Maintenant, par rapport... nous avons aussi, comme vous et beaucoup de spectateurs suivis, téléspectateurs suivis les audiences. Nous avons écouté avec intérêt ce que le témoin dit à charge a apporté dans la comme part de vérité. Nous nous prenons acte et nous versons l'ensemble dans la suite du procès. Nous attendons simplement que ce procès-là ne s'éternise pas et que la manifestation de la vérité puisse permettre aux Africains, aux Africaines et à ceux qui sont dans le monde comprendre que le président Gbagbo est vraiment victime d'un complot, d'un plan commun mis en place par ceux qui veulent trouver dans sa gouvernance hier un plan commun pour exterminer une partie de la population. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de la part des Sangles africains pour se faire élire demain, pourquoi pas député, parce que j'ai déjà vu ses déclarations où il dit qu'il serait candidat à la députation. Ce n'est pas une façon de se faire une clientèle auprès du FPI ou auprès de membres du FPI? Non, moi je voudrais simplement qu'on tienne compte de ce qui a été fait et dans le contexte. Maintenant, tout le reste... je peux dire que bien, grand bien face à M. Sam l'Africain si il entend récolter quelques dividendes que ce soit. Mais nous prenons acte et puis c'est tout. Parce que bon, qu'est-ce que nous allons dire quelqu'un qui affiche ses ambitions? Ce n'est pas notre rôle de le juger. C'est pas, nous, on ne tire rien de là. Ce que nous retenons, c'est qu'il a posé cet acte-là. Nous disons, on prend acte, ça s'arrête là vraiment. Ok, monsieur le Président, là j'ai deux dernières questions. Quels sont les objectifs du FPI et que dites-vous des élections à venir en Côte d'Ivoire? Les objectifs, nous disons que ce que nous voulons, c'est notre souveraineté, notre indépendance, notre dignité. Et que pour cela, nous mènerons le combat démocratique avec toutes les règles et dans les conditions que édictent les lois, non seulement dans notre pays, mais aussi un certain nombre de tests internationaux qui consacrent les droits et libertés démocratiques dans le monde. La deuxième chose, les élections, mais c'est ça l'essence. C'est par les élections que nous recherchons l'onction de notre peuple pour proposer un nouveau contrat à ce peuple-là. Donc, pour nous, les élections, ce n'est pas le problème de dire les élections. Oui, pour les élections. À quelles conditions? Comment on y va? Qui fait quoi? Ce sont ces questions-là qu'il faudrait que nous puissions, avec ceux qui sont aux affaires, parvenir à ce qu'on appelle à un rapport qu'on appelle un minimum de consensus autour de ces questions. Pouvons-nous espérer ensemble avec le peuple ivoirien au succès à la fin de la lutte du FPI? Et quel est l'espoir qu'on peut imaginer? C'est ma toute dernière question, vraiment. Oui, nous sommes de ceux qui
en général, disent que ils voient le verre à moitié plein. Ça, c'est notre vision. Et c'est pour ça que nous sommes dans la lutte. Pour nous, le verre est à moitié plein face à l'adversité, face à tout ce qui peut... Le verre est à moitié plein. Donc, l'effort pour le remplir n'est pas aussi grand. C'est notre lutte qui va nous donner ce résultat-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers auditeurs et téléspectateurs de la Voix de la démocratie, Panorama d'Afrique, comme vous venez de l'entendre et vous l'avez suivi vous-même, Monsieur le Président, Laurent Akun a été reçu par la communauté ivoirienne de la Scandinavie, dont nous allons vous demander à suivre les images et surtout sa conférence de presse et sa meilleure prestation par rapport aux questions qui lui ont été posées à la communauté ivoirienne en Scandinavie. Nous vous disons merci et nous disons aussi merci au président du FPI en Scandinavie, la personne qui a organisé, mon cher et aîné grand frère Jean-Claude Okou, ainsi qu'à toute l'équipe qui l'entoure pour ce travail merveilleux. Nous profitons aussi de l'occasion, chers amis, pour chers téléspectateurs, pour vous dire que la toute dernière fois que nous avons reçu des cadres du FPI ici en Scandinavie, ils nous ont apporté une documentation. Et la documentation est là. Vous qui aimez lire, vous qui adorez, qui mangez des livres, vous devez avoir l'occasion d'en profiter. Nous avons les livres qui ont été écrits par M. Bernard Audin, qui est conseiller politique du président Laurent Gbagbo, dont vous allez voir les livres là, « Ouattara, une imposture ivoirienne », ainsi que les livres de Jean-François Mattei, un journaliste français, qui a écrit aussi sur la situation en Côte d'Ivoire. Donc nous vous demandons vraiment de bien chercher ces livres sur le net. Il y en a d'ailleurs en format téléchargeable avec vos apps. Si vous allez sur net, vous allez télécharger ces livres ainsi que vous en prendrez connaissance. Et nous vous invitons à suivre la conférence qui a été organisée en l'honneur du président Laurent Akun ici en Scandinavie. Merci beaucoup et suivons. Ce que nous voulons partager ces quelques moments-là, et en tant que co-acteur, je suis ballotté, c'est-à-dire je suis comme poussé par deux courants contraires. Parler beaucoup et donc m'entendre moi-même en me disant que peut-être je parle bien, je parle mal, c'est pas un problème, ou parler peu et vous donner la parole pour que vous me dites ce que vous pensez, ce que vous croyez. J'ai choisi la deuxième voie. Vous écoutez. Pourquoi ? Aujourd'hui, où chacun et chacune d'entre vous ici, en regardant un téléphone qu'on appelle un téléphone intelligent, vous êtes connecté au monde entier. Quand on me demande des nouvelles du pays, je suis à la fois tenté de dire c'est vrai, mais ce n'est pas des nouvelles, parce que vous êtes autant informé que moi. Peut-être pas dans les mêmes segments ou dans les mêmes proportions, les mêmes contenus, mais vous connaissez un peu. C'est pourquoi je suis tenté de ne pas reprendre toute l'histoire des nouvelles que je vais vous donner, parce que vous savez un peu. Donc, comme vous savez un peu, vous vous interrogez, il est préférable peut-être que vous puissiez exprimer. Or, ce n'est pas une série de questions-réponses. C'est plutôt une série, peut-être, de questions pour comprendre les parties que je vais aborder et que vous n'aurez peut-être pas bien saisies. Mais c'est surtout une partie pour entendre, vous, votre réflexion critique. Il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec ça que vous devez le dire. Si je peux ne pas être d'accord, vous devez le dire. Et avec votre style. Seulement, comme je vous vois et que je vous respecte, en ayant la même démarche à mon endroit, parce que là, beaucoup, souvent on donne des leçons, mais ce n'est pas grave. Je suis habitué à ça. Mais si moi, je ne peux pas être discutoire. Donc je souhaite en retour aussi, même si on dit des choses qui sont graves, on peut le dire, mais on n'est pas obligé de sortir. Parce que vous et moi, vous qui êtes venus ici, c'est parce qu'il y a un minimum qui nous unit. C'est au nom de ce minimum-là, quand on parle, on appelle ça une contradiction interne, c'est qui est entre nous.
on ne développe pas ça avec le même style, avec la même hargne que ce qui nous oppose à l'autre qui ne nous accepte pas. Donc, il y a la question de la contradiction interne, les modes et les mécaniques pour les résoudre, et la contradiction avec l'adversaire, très bien différent. Donc, nous qui sommes là, il y a un minimum, c'est qu'au moins on s'accepte. Et si on s'accepte, donc, il faut que nous gardions, nous sachions raison garder en nous parlant. Parce que c'est avec nous, là, c'est ensemble, vous et moi, avec nos faiblesses et nos forces, que nous pouvons changer les choses. J'appelle ça faire bouger les lignes. Changer les choses, c'est pas autre chose, hein. C'est faire bouger pour que nous inversions le rapport des forces. Voilà ce que j'appelle une espèce d'introduction. Alors, quels sont les problèmes du pays ? Le pays, la situation dans leur pays est une situation extrêmement grave. En apparence, ceux qui sont aux affaires depuis... Non, ceux qui ont été installés en Côte d'Ivoire et qui se sont donné une virginité par des élections auxquelles moins de 11% des Ivoiriens ont pris part, en réalité, c'est un peu le taux de participation, ceux-là, ils communiquent, c'est-à-dire ils parlent, tout va bien. Il y a des ponts, il y a même des avions qu'on achète, et tout, mais les Ivoiriens, retenez ceci, les Ivoiriens vivent mal, et ne vivent pas. Au moins 57% des femmes, des hommes et des habitants de la Côte d'Ivoire vivent avec moins de 1 dollar par mois et donc vivent en dessous de ce qu'on appelle du seuil de pauvreté. Donc notre pays va mal, je vais rester là. Et va mal, c'est le pays le plus endetté qui soit en Afrique, au stade où je vous parle. Alors qu'il y a moins de 5 ans, pour tous ceux qui ont suivi, nous étions déjà presque en train de sortir de ce qu'on appelle du PPTE, ce programme qui a été conçu pour les pays très endettés et la Côte d'Ivoire était déjà éligible. Les élections de 2010 devaient consacrer pour qu'on passe à une autre phase où au moins près de 800 à 900 milliards de francs CFA qu'on devait payer à l'extérieur devaient rester en Côte d'Ivoire pour essayer de conduire quelques programmes pour donner un peu de dignité aux Ivoiriens. Voici la Côte d'Ivoire, je parle d'économie. Politiquement, au niveau politique, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, il y a une Côte d'Ivoire de la pensée unique et une Côte d'Ivoire de la pensée unique, donc du parti unique qui revient. Suivez mon regard, me créer, je ne sais plus si c'est PDR, DR ou enfin bref, mais là-dessus, eux, ils vont régler leur compte entre eux parce que ce n'est pas aussi évident. C'est ça la pensée unique. La pensée unique, c'est aussi le fait que on n'accepte même pas que quelqu'un dise non. Mais tous ceux qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui osent dire non, ils sont déjà dans l'antichambre de la prison. Les syndicats n'existent que de nom. Parce que tous les syndicats ont été, et c'est M. Ouattara qui l'a dit récemment, ont été vidés de leur substance. Et c'est OFPI qui s'attaque. Mais l'OFPI aurait eu arrivé, c'est la deuxième nouvelle. On va en parler un peu. Au niveau politique, c'est ça, ça veut dire l'exercice, pour résumer, l'exercice des droits et libertés démocratiques devient un exercice extrêmement périlleux, auquel, et dans beaucoup de cas, il y a des gens qui aujourd'hui ont perdu ou un emploi ou ne savent même pas où ils peuvent être parce qu'ils sont en prison et on ne sait pas. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire près de 300 prisonniers politiques, civils et militaires qui depuis 2005 sont dans les prisons. Rares sont ceux qui sont jugés, en dehors de Simone Gbagbo qui, elle est jugée à répétition, quoi. On le juge, on la condamne à 20 ans. Peut-être après une bonne entente qu'on a condamné à 150 ans. Bon, bah, ça fait de la peine de voir que le pays peut être dans une telle situation. Où les sentiments qui conduisent à la politique ne voient plus qu'un sentiment de vengeance pour demain. Et c'est pas bon. Un pays où les gens
rongent leurs freins et puis se disent demain on va voir là, c'est pas un bon pays. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Enfin, je vais prendre le niveau, je peux dire, social et socio-culturel. Nous sommes dans un pays qui, depuis 2011, Vienne et tous ceux qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, ont imposé le régime Ouattara. Un pays dans lequel, au moment où je vous parle, nos concitoyens et nos concitoyennes arrivent à peine à assurer le paiement d'une facture d'électricité. Et subitement, ça a grimpé. Et là, le régime Ouattara a dû faire marche arrière parce que les factures qu'il voulait encaisser, là, si il les avait encaissées, nous, on était prêts à appuyer le mouvement social pour que la contestation dise non. Donc, il a reculé, mais qu'à cela ne tienne. Ça veut dire, première leçon, si un peuple, même s'il n'est pas organisé, comme vous le dites, beaucoup disent, mais pourquoi on ne peut pas, c'est pas un tout chaos. C'est un tout que chacun intègre, qu'il est un acteur et que c'est son nom, mais un nom démocratiquement dit, qui permet de mettre fin à une dictature. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas, on a mobilisé un peu, mais les dames ou les hommes, même ceux qui aujourd'hui bénéficient de davantage de ce régime-là, qui habitent à Bobo ou peu importe dans le nord de notre pays, parce qu'on parle dans le nord de notre pays, il n'y a que des citoyens et citoyennes qui sont acquis à la cause de M. Ouattara, vous vous trompez, à Odiené, à Sinimakiali, à Gbeleba, là je parle juste de la partie là, que ce soit à Ferke, à Wangolo, à, je sais plus, à Mankono, à Séguéla, à Bouna, ceux qui y vivent là, c'est pas des partisans ivoiriens, ce sont des citoyens ivoiriens. Et l'électricité là, il n'y a pas une facture où on la met au point RD et puis on leur donne. Non, c'est la même facture. Et pour ça, ils étaient prêts à se donner. Et face à, au début de cette fronde, le 1er mai dernier, si vous l'avez suivi, M. Ouattara, eux, dit du recul, il dit non, on va aller examiner. Quel est ce gouvernement? Un gouvernement technocrate. Ils savent tout, lui, le plus grand expert en économie que notre histoire ait inventé. C'est lui qui a venu faire. Dit qu'il va étudier maintenant, il a reculé. Nous, on ne crie ni victoire, ni, défaite pour lui, mais le fait est qu'un peuple qui se détermine, qui se mobilise, c'est le début du commencement, de la fin de ce qu'on appelle de la soumission. Cela dit, c'est un tableau sommaire, là, depuis quelques versions, il y en a beaucoup. Le FPI, pourquoi je veux parler du FPI? Oui, on a des amis, des invités, il y a quelques citoyennes et citoyens ivoiriens ici qui sont militants du FPI, ça c'est pas le problème. Le plus important, c'est que les citoyens veulent que le pays change. Et si vous voulez que le pays change, ce n'est pas à travers, avec des associations, ce n'est pas avec des mouvements qu'on change. Il faut un instrument politique de conquête et d'exercice du pouvoir ou de reconquête. Et le FPI a déjà gouverné. Donc comme c'est le FPI qui a été officiellement déclaré et qui s'est déclaré pour conquérir le pouvoir et l'exercer au nom des Ivoiriens, ceux qui sont pour le FPI, ils sont contre le FPI. Si on prend le pouvoir par les urnes, on va gouverner. C'est ce qu'on a fait hier. Donc ce FPI, à comment il va? Or, disons qu'il va... Il va bien. Il va bien pour une première raison, c'est que depuis le 30 avril 2015, Laurent Gbagbo, oui, l'homme qui est à la RSI, face aux manœuvres d'un de nos anciens camarades, qui a connu aussi les affres de ce qu'on appelle la prison, Pascal Affine-Guesson, face à ses manœuvres et à sa volonté de ne plus aller dans le sens du combat pour la souveraineté, pour la dignité, nous avons à Mama, le 30 avril 2015,
élu, je ne dis pas désigné, bon, parce que j'ai d'ailleurs eu tellement de désignations, mais élu par les différentes fédérations, élu Laurent Gbagbo, président du FPI. Donc pour nous, c'est dans le sens du combat, puisque l'autre ne veut plus se battre. J'ai eu donné un morceau, je suis des propos de M. Affi. Les Blancs sont trop forts, les Ouattaras qui machin, il est trop puissant. Si les Blancs sont dans pas l'état, tu vas gouverner. Ce discours-là, nous, on ne savait pas que c'était maintenant hein, qu'on devait le dire. Parce que le FPI, depuis 1990, au moment où nous déposions nos papiers pour être un parti légalement constitué au ministère de l'Intérieur, nous avons écrit que le FPI est créé pour se lever contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, entre nous, là, ceux qui parlent de xénophobie, d'ethnicisme, encore, le FPI, ce n'est pas dans la philosophie. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons remis Gbagbo au cœur de la lutte. Et surtout, la lutte qui a fait qu'il se retrouve là, à La Haye, à Schwenningen, c'est-à-dire dans cette prison. Donc, c'est Gbagbo qui est le président du parti. Le cas a fini, on l'a réglé par les tests. Parce que ce congrès a exclu Pascal Affi Nguessa pour haute trahison. C'est-à-dire, pour notre vision de 90 à 2000, au moment où on est arrivé aux affaires, nous ne parlions que de comment assurer la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une insulte. C'est être soi-même, c'est la dignité. Vous imaginez, vous qui êtes ici, les Suédois, il y a bien des gens de droite, hein, en Suède, non. Il y a ceux de gauche aussi. Mais imaginez qu'on vous dise que c'est le père, c'est le problème, c'est l'habit. Non, on va aller demander aux Français ce qui est bien pour. Est-ce que vous imaginez ça? Je parle du contexte de l'Europe, c'est vrai. Mais dans l'Europe, elle est puissante et puis elle est moins puissante, mais un Suédois est un Suédois. Il pense que c'est aux Suédois de décider ce qui est bien pour les Suédois ou Suédoises, et non le contraire. Un homme politique, et c'est ça le problème de presque toute l'Afrique aujourd'hui. En dehors de quelques pays où, bon, quelques dirigeants peuvent dire, nos dirigeants africains, ils viennent prendre leurs ordres auprès de ceux ben, qui assurent bien sûr leur confort au niveau des portefeuilles et de leur bien-être, ce que j'appelle le tube digestif. Nous, on ne peut pas accepter ça. Mais on n'a rien contre eux, leur puissance, je suis prêt à les respecter, à leur discuter, à discuter avec eux s'ils le souhaitent. Mais ce n'est pas eux qui doivent décider ce qui est bien pour les Ivoiriens et les Ivoiriens. Non. C'est ça le sens de la vie. C'est ça le centre de la souveraineté. Et c'est ça le combat de Gbagbo. C'est pour ça qu'il est à La Haye. Voilà. Donc, si je veux me résumer pour terminer, quels sont les défis aujourd'hui? J'ai parlé un peu de l'histoire du FPI. Il ne faut pas faire d'Affi un problème de notre sein. On peut y revenir si vous souhaitez. Quels sont les défis que nous devons relever? Le premier défi que nous devons relever, c'est le défi de la lutte que nous devons engager pour la libération de notre pays. Maintenant, tu ne comprends pas, moi je suis de cette génération, cette classe ou ces classes d'âge qui ont connu feu ou fouet. J'ai fait quelques petites choses en Côte d'Ivoire en tant que militant pour l'exercice des droits et libertés démocratiques, surtout du côté du syndicat. Et vous faites, nous disiez à l'époque, c'est dans les années 80-90, début du multipartisme, que la vraie indépendance, c'est l'indépendance économique. Mais l'indépendance de l'autorité, si tes propres ressources, tes propres ont été d'une sorte vendu avant terme hein, à ceux qui, aux puissances qui ont les ressources nécessaires pour pouvoir acheter et se permettre de le distribuer dans le monde entier.
Mais quand il parle d'indépendance économique, en fait, ce n'est pas l'indépendance, c'est la souveraineté. Parce que la base de l'indépendance économique, c'est la monnaie. Nous, on nous sert encore, depuis la République démocratique du Congo jusqu'au Sénégal, en toute cette côte-là, en dehors du Nigeria, du Ghana, même la Sierra Leone, on nous sert du CFA. C'est-à-dire, les Français là ont créé une monnaie pour nous. Et voici l'équivalence. C'est-à-dire, quand tu prends 1 euro, cela veut dire que pour qu'on puisse espérer, sans racisme au cœur, espérer être des gens, il nous faut trouver, pour l'équivalent de 1 euro, nous devons chercher 600. Il faut que 665,957 nègres soient réunis, francophones soient réunis. Il y a 1 euro. Donc il faut réunir l'équivalent de 600. Ce n'est pas du racisme, c'est une caricature. Je le fais à dessein pour comprendre. On n'a pas la souveraineté. Et dans toute l'histoire du monde, hein, et ce qu'on appelle les relations internationales, la souveraineté, là, c'est le souverain qui bat monnaie. C'est-à-dire, c'est lui qui fait, à l'époque, c'était soit dessus des emplumes, bien sûr, mais c'était surtout des pièces. Et c'est là où on découvre. Ici, très grand, les Carles, c'est ça, les Carles du Sable et autres, c'était les rois. C'est leur réfugié qu'on. Donc, c'est ça, c'est un signe de souveraineté. Et quand tu passes d'une frontière à une autre, il y a un autre souverain. Donc, vous trouvez maintenant, entre les deux, comment vous allez négocier pour établir un certain nombre d'équivalences. Aucun de nos pays n'est souverain. Et on en fait une espèce de complexe. Et on ne s'en prend pas, c'est nous. Décidons nous-mêmes quand on le fait. Mais ce n'est pas tout le peuple qui vient décider, c'est à travers ses élus. Si ces élus-là ne vont pas prendre des appartements, ils vont pas, c'est là-bas, il faut qu'ils se chaussent machin, comme s'ils portaient une paire de chaussures fermées, correctes, ça n'est pas. Il faut qu'ils aillent. On est devenu comme. Bon, je ne vais pas être méchant. On n'est plus nous-mêmes, quoi. On préfère être ce qu'ils souhaitent voir de nous. C'est ça qui est notre problème. Donc le premier défi, là, c'est celui de notre souveraineté à travers la libération du Babo. Pour nous, Babo libre, c'est ceux qui l'ont amené là. C'est ceux qui ont installé l'autre. Si Babo est libre, c'est-à-dire par nos actions, ben, il va de soi que la Côte d'Ivoire avancera un peu dans le chemin de la dignité avec, bien sûr, les autres États africains. Le deuxième défi qu'il nous faut relever ici et maintenant, c'est le défi de la réconciliation. Un pays ne peut pas avancer dans un déficit de cohésion. Dans notre pays, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire de ceux qui pensent à Ouattara et leurs alliés que tout va bien. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire que moi je connais, où tout va mal. Et on se regarde en chaîne de faïence. Pour ceux ou celles qui ont demandé, aujourd'hui, Abidjan, qui est l'espèce de résumé de l'histoire de notre pays, c'est la ville d'Abidjan. Il y en a deux. Il y en a qui passent, et puis ils sont contents, et puis il y en a qui passent, et puis qui disent, allez, qui dit, quelque chose va se passer. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Pour cela, il faut qu'on dise. On est à la réconciliation. Allez à la réconciliation. Là, je suppose que, une des pièces ou un des chaînons essentiels de la réconciliation, que nous ne pouvons pas laisser en prison et puis on va aller faire la réconciliation. C'est ça, c'est lui même. Oui, toi, on appelle Babou, c'est ça. Non, ça va, ça, c'est Babou, ce n'est que, de manière banale, mon point de vue, c'est ça qui est logique. On ne se réconcilie pas contre les autres. On met ce qui était distendu, on ramène ensemble. Ben, c'est difficile, hein, c'est pas évident. Le dernier
éléments pour que tout ce pays-là avance, il nous faut jeter les bases d'élections démocratiques. Pas des élections où on n'a pas besoin de patrouiller, on triche ici, on met des armes là pour effrayer les électeurs. Même des candidats sont effrayés. Et puis on dit on bat les élections. Celui qui proclame les résultats, il a déjà le nom de, son, de celui qui a gagné sans avoir fait la compétition. On ne peut pas accepter ça. C'est voilà toutes ces conditions-là que j'estime que nous devons examiner. Et pour cela, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers invités, il nous faut agir au sein des espaces que nous nous sommes donnés. Agir pour que nous puissions bâtir un monde plus juste, un monde plus solidaire et démocratique en Afrique, c'est le continent d'où je viens mais que je connais relativement, mais aussi surtout en Côte d'Ivoire. C'est possible pourvu qu'on accepte la différence avec les autres, mais que ce qui est commun là, on puisse unir nos voix. Je vous remercie, merci. C'était là mon propos liminaire. Merci. Allez, merci. Donc, on reprend.